Yo l'équipe, nouvelle vidéo, je suis de retour. Enfin une vidéo à deux. Enfin, on va pouvoir retirer. Ça fait combien de temps? Depuis septembre les gars, on n'a pas tiré un seul ballon. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle vidéo. Maxime m'a ramené un crack qui s'appelle Stéphane, vous le connaissez déjà. Moi je l'ai jamais vu gauler. Donc maintenant, aujourd'hui, pour moi, je vais voir ce qu'il donne. Ouais. Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas, gardien à Torcy, U14-R1. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est simple, bah, U14-R1, c'est le plus haut niveau possible. Pour ceux qui l'ont déjà vu sur YouTube, bah, vous le connaissez déjà très très bien. Ce qu'on fait, c'est que pour vous, on a une compilation de Stéphane. C'est pour vous. Oh là là! Aujourd'hui, bah Stéphane, il ne sera pas contre des jeunes, il sera contre nous. Au début, on démarre sur des frappes. Donc, qu'est-ce qu'il vaut contre des seniors? Qu'est-ce qu'il vaut contre toi? Contre un retraité. C'est ce qu'on va voir. Donc, si on est chaud, les gars, on est parti. Let's go. Dit, bientôt, tu l'auras pu. Vous voyez comment il abuse, comme il baptise les jeunes. Il non, abuse c'est pas de ma faute, vous souriez trop. C'est pas ma faute. C'était incroyable. Oh, dommage. Les gars, je rappelle que c'est un gardien U14. U13, foot à 8, U14, première année en foot à 11 et sur grande cage. Là, vous voyez que déjà à son âge, il les gère très très bien les grandes cages. De vrai les gars, même s'il a tiré extrêmement fort, je connais très peu de gardiens, même sur YouTube, qui auraient mis les mains. Faut dire la vérité, en général, dès qu'il tire fort, oh, ça se cache, pas lui. L'arrêt du pied qu'il a fait, moi vraiment je vous jure en tant que coach, ça m'énerve de voir les gardiens, tu sais qu'ils font constamment ça à la main. Et des fois, et un bon panard loin devant, ça va très bien. Et Donnarumma, Bayern Munich, il met sa main là comme ça, il y a un bon ouais, pied, on n'en parle plus. Vas-y, c'est bon, il a raison. Bon, fin des frappes, honnêtement, pour un garçon qui a que 13 ans et c'est sa première année en foot à 11, t'en penses quoi? C'est bien, hein, il y a une belle détente, une très bonne allonge. Ouais. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que des fois, il n'y a pas de main inutile, un bon pied pour dégager, on n'en parle plus, et surtout, c'est qu'il n'a pas peur d'y aller. Non mais en fait il fait ce qui est efficace en vrai de vrai. Bien sûr. Ce qu'il fait c'est efficace et... Ouais, c'est ça quand même un gardien efficace, hein. Il se prend pas la tête, hein, c'est tout. Il y a beaucoup de goals sur YouTube, tu connais, hein. Quand tu frappes fort, ils évitent, ils enlèvent les mains. 13 ans les gars, lui il met les mains. Même s'il l'a pas, il a mis les mains. Donc, du coup les gars, on part un peu sur les défis, pour faire kiffer un peu plus. Penalty MLS.
Stéphane, on le connaît au réflexe. Comme d'habitude, quelques extraits, vous allez voir, parce que ça, il le gère très très bien. Pied droit. Oh là là, Stéphane, il veut pas le lâcher. Bon, du coup, on est chaud. Stéphane, t'es prêt? On est parti. Let's go! Direct. Lui il attend, c'est bien. Oh non. Bon, l'équipe, penalty MLS, il débrouille très bien. Il se jette pas, il prend le temps de nous jauger un peu, il nous fixe. Appuis, ouais. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a que 13 ans encore une fois. Il se laisse pas facilement lober en plus. Bien sûr. Maintenant les gars, on part sur le dernier défi qu'il aime beaucoup, les tirs au but. Est-ce que t'es prêt? Ouais. On est prêt? Alors let's go les gars, c'est parti. Oh, elle est bien rentrée. Elle est très très bien rentrée. Est-ce que t'as vu la Zidane? Ouais, j'ai vu. C'est parti, la Panenka! Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans, elle est pas. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Les gars, c'est une fin de vidéo. Merci à Stéphane d'être venu. Donnez votre avis en commentaire sur Stéphane. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que pour un gardien qui a encore 13 ans, c'est ça? Voilà, bon, il a encore 13 ans. Il a la marge. J'ai pas besoin de parler, hein. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que c'est un gardien qui a du potentiel, qui a certaines qualités, ouais. Qui a certaines fortes qualités. Et que, bah voilà, hein. Maintenant, après, l'avenir t'appartient, hein. C'est à toi de voilà quoi, de continuer à progresser et de trouver que tu peux aller jouer au plus haut niveau. Ouais. Donc les gars, comme d'hab, si on a kiffé, bah, on like, on commente et on s'abonne, surtout à Stéphane. Et nous les gars, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Change l'équipe.